Eh bien salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui comme vous le voyez, on va faire une petite vidéo avec l'hélico de la gendarmerie nationale. Regardez-moi ça comme c'est pas magnifique. Et aujourd'hui on va faire de la sécurité routière, donc on va surveiller l'autoroute là. Enfin c'est même pas une autoroute ici, mais on va surveiller les routes là, les départs en vacances. Donc pour ce faire, eh ben j'ai sur mon hélico une petite caméra qui voit tout ce que vous faites les gars. Donc à la moindre infraction, je préviendrai l'équipe au sol qui se trouve actuellement ici, regardez. Alors attendez, je vais vous montrer avec ma petite caméra. Hop là, l'équipe au sol qui est ici avec la Mégane RS. Donc dès que je constate une infraction, on part et on intercepte les individus avec la Mégane ou avec la moto, ça dépend. Donc voilà les amis, aujourd'hui on va faire une patrouille avec l'hélico plus la Mégane RS les amis, voilà. Qui est magnifique, je vous montrerai tout à l'heure. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit commentaire qui fait plaisir là. Comme d'habitude, il y a ma dernière vidéo qui vous a pas mal plu apparemment, c'était sur avec le 14 juillet. Donc merci à vous les gars d'avoir été aussi nombreux à la regarder, ça fait toujours plaisir. Et moi ça me motive à en faire encore plus. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à partager un maximum cette vidéo. Allez c'est parti, on va commencer le contrôle. On va se stabiliser. Oula. Alors attendez parce que là je suis tout seul, alors pour gérer la caméra et l'hélico, c'est un petit peu le chantier. Donc on va regarder tout ce qui est vitesse, hein, parce que ma caméra elle est dotée d'un radar. On va regarder vitesse, dépassement par la droite, distance de sécurité, tout ça. Et dès qu'il y a une erreur, on intercepte. Allez. Donc ici c'est une route à 90 km/h, donc on intercepte à 110. J'arrive même pas à voir à la vitesse où il roule là. Ça va pas ça. Ah. Lui il roule à 60. Lui 67. Et lui j'ai pas vu. Lui il est à combien? Là j'arrive pas à voir. Oh, oh la moto. Ok, ok la moto on prend. Une moto avec un individu de couleur. Un t-shirt de couleur bleue les gars. Il zigzague entre les voitures. Ok, c'est pour vous. Je vous le... Attendez, je vous suis. Je le suis encore un peu. Alors, je répète. Moto avec un individu. Avec un t-shirt de couleur bleue. Et un casque bleu foncé. Il va arriver sur vous dans quelques instants. Franchissement de ligne blanche. Et zigzag entre les voitures. Et dépassement par la... Oh là, et puis il s'arrête. Attendez, parce que là... Ok, c'est bon, il arrive sur vous. Je vous le laisse, les gars. Ok, il est passé devant nous. On prend. Allez, c'est parti. On va le chasser. Il vient juste de passer. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, j'ai failli me retourner avec la Mégane. Bordel, il est où? Ça se trouve, il a tourné. Ah 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 ah. C'est pas lui? Non. C'est un t-shirt bleu. Oh bordel, il nous a semé ça se trouve. Il n'a qu'à tourner là. Oh 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 oh. Attaque! Il y a une attaque de Jaguar les gars. Oh bordel! Il y a eu une attaque, les gars. Il faut le buter, lui. Voilà, allez hop. Oh, il y a une attaque de Jaguar sur l'autoroute, là. Sous mes yeux, les gars. Alors, attendez, je vais aller voir le collègue, là. Oh, bordel. On sait ça aussi, la sécurité routière, c'est veiller à ce que... Il n'y a pas d'incident sur l'autoroute. Et là, bah, il y a eu un incident. Il y a un agent de la voirie qui s'est fait attaquer par un jaguar. Ou un puma. Non, c'est un puma, ça.
Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Je vais appeler les pompiers, là. Ok, les pompiers sont là. Faut pas vous presser, les gars. Regardez-moi ça, cette magnifique Mégane, les petits potes. Cette magnifique voiture. Avec en petit avec en option, regardez-moi ça, le petit panneau. Hop là, suivez-moi, gendarmerie. Donc ça, c'est quand on va aller interpeller du monde tout à l'heure. On activera ça, et les gens comprendront qu'il faut nous suivre. Bref, là, on n'est pas là pour ça. Ouais, bah, à mon avis, lui... Ah ouais, bah, il est décédé. Tu notes l'heure du décès, Jean-Mi ? Et moi, je vais faire le nécessaire. Je vais appeler la police scientifique. Et ils vont se charger du corps. Hein. Donc j'ai neutralisé la bête. Hein. Ne vous inquiétez pas. Allez là-bas. Allez, on est reposté. On va réactiver la caméra. Voilà. Oh, il a combien lui? Ok, la moto avec le gars avec le t-shirt rouge. Là, on prend. Il roule à une vitesse excessive. Je vous l'envoie, il va être sur vous dans 2 minutes. En plus, il a pas de casque. Ok, je le vois, il est passé. Il vient de passer, il vient de passer. Oh bordel, je vais le rater encore. Faut pas que je le rate, lui. Il a tourné, je crois, il a tourné. Il a tourné, les gars, il a tourné. On m'a dit là avec l'hélico. Ah bah, il est là, je crois, non? Il a tourné. Il a pris la route en bas, apparemment. On va l'attendre tranquillement ici. J'espère que c'est lui. Ouais, c'est lui, c'est lui, c'est lui, les gars. Il a pas de casque. Monsieur, gendarmerie. Ok, lui va vouloir jouer avec nous. Lui, il va vouloir jouer. Allez, monsieur, on s'arrête, là. C'est la gendarmerie. Eh, tu crois quoi, toi? Tu crois que j'ai pas de chevaux ou quoi? Moi, je te double quand je veux, mon gars. Allez, suivez-nous, là, monsieur. You. Monsieur, suivez-nous. C'est la gendarmerie. Vous nous suivez, monsieur? On va s'arrêter au prochain aire de repos, là. Qu'est-ce qu'il fait? Eh, il a rien compris. Tu veux te garer ici? Ouais, non, non, c'est pas maintenant qu'il faut mettre le casque, là. Il est malin, lui. Alors, attendez, je vais lui demander de me suivre. Allez, suivez-nous, là. On va se ranger mieux que ça, là. Alors, lui, je vais l'allumer comme il faut. Bonjour, monsieur. Gendarmerie nationale. Vous savez pourquoi je vous arrête, là, monsieur? Descendez de votre moto, là. Coupez votre contact. Voilà. Alors, monsieur, déjà, vous allez venir avec moi, là, parce que là, ça roule un petit peu. Je vais vous mettre en sécurité, quand même. Je vais ralentir le trafic. Ça, c'est une belle moto, en tout cas. Allez, venez là, monsieur. On va procéder à un petit contrôle. Bon, je vous annonce que vous avez été repéré avec l'hélico, là, qui tourne en ce moment sur la départementale, hein, à une vitesse excessive. Donc, présentez-moi vos papiers, papiers du véhicule, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous n'êtes pas recherché de nos services, monsieur, non? Non. Restez là 2 minutes, je vais faire un tour de la moto, là. Et il n'y a pas de plaque, en plus, à la moto, là. Heureusement que j'ai relevé le numéro de série. Là, ça va pas du tout, là. Là, ça va pas du tout, du tout, monsieur. Votre moto, elle est pas homologuée, là. Il n'y a pas de plaque, vous roulez trop vite. Est-ce que vous avez bu, monsieur, là? Vous posez une question une fois. Est-ce que vous avez bu, là? Parce que là, ça va être vite fait, vous allez repartir à pied. Ok, donc vous allez souffler là-dedans. Eh! Ah non, mince, j'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait me sortir une arme. Je me suis trompé de bouton. Donc je vais le fouiller au cas où. Voilà. Il a rien, il a des cigarettes. Allez-y, soufflez là-dedans, monsieur.
Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique, cette méga Nérès là. Ok, zéro. Je vais vous saisir le véhicule, je vais appeler une dépanneuse parce que là, vous pouvez pas rouler avec un véhicule non homologué sans plaque là. Et hop, ça c'est saisi. Et je vais vous mettre une amende là, monsieur. Bon, bah, on va partir en contrôle volant là. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et il a pas de casque lui, oh bordel! Comment il roule! Oh bah ça c'est pour nous. Qu'est-ce qu'il fait sur l'autoroute lui? Oh bordel. Monsieur, 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 arrêtez-vous! Madame! Ils sont plusieurs! Oh bordel, ils se font la bourre! Ils sont en train de faire une course sur l'autoroute, j'ai besoin de renfort les gars! J'ai besoin de renfort! Ok, les motards qui sont là. Monsieur! Ok, ça part les gars. Pour cette dernière intervention, les motards, je vous laisse la moto, moi je prends, ok, il y a plus, oh, ouf, ouf, les gars. Et pas autant de méga NRS de sortie, là, vous allez nous péter le budget de 2019, là. Ok, les motos, vous chargez de la moto, là, les motards, là. Allez, choper l'autre, là. Je vais appeler l'hélico pour qu'il surveille tout ça. Là, je veux en perdre aucun, là. Ils étaient en train de faire la course, là, sur l'autoroute, ça, c'est inacceptable, hein. Surtout en jour de départ en vacances. Allez monsieur, là, arrêtez-vous, gendarmerie là. Oh bah il y en a un qui a perdu son pare-choc. Il y a une mec. Oh ok, ils se sont crashés. Ça va les gars? Oh, oh là là. Ah bah oui c'est ça quand on sait pas piloter le bolide. Ah ouais, en même temps j'ai pas. Ouais ouais. Oh le deux roues magnifique. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en panne. Bah il y a plein de. Allez monsieur là, arrêtez-vous là. Et je vais pas... on va pas se traîner comme ça... longtemps hein, moi je vous le dis. Allez les gars, chopez-le là. Voilà, parfait, allez. Allez, je descends. Descendez monsieur, descendez du véhicule. Attention Patrick. Oh. Bon, j'y ai tiré dedans. Eh oui, mon petit. Hein. Allez, bouge de là. Ah, bordel. J'étais obligé d'ouvrir le feu, là, d'aller percuter le collègue. Allez, on va la mettre là-bas. Oh, bah, elle est lourde, elle pèse son poids, la petite, là. Hop là, regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Maintenant, je vais procéder au petit massage cardiaque, voilà. Là, je suis bon, là, les gars. Là, j'applique les procédures à la lettre. Allez, on s'écarte. Hop, 1, 2, 3. Ah, mince. Là, j'ai rien pu faire. En même temps, j'ai tiré dessus. Hein. les pompiers, ils sont où, là? Ils sont là. Let's move. Bonjour messieurs, c'est encore moi, oui, hein, j'ai été obligé d'ouvrir le feu sur cet individu de type féminine, et ça s'est mal passé pour elle. Ah, est-ce que vous pouvez faire quelque chose ou pas? Bah, il reste pas comme ça à rien faire, qu'est-ce qu'il fait lui? Oh, Jean-Bernard là. T'as jamais vu un cadavre ou quoi, là? On dirait qu'il est choqué. What? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, bah, bref, il a bugué. Ah, non. Elle est décédée. D'accord. Bon, bah... faut que je fasse un rapport, hein, un compte-rendu. Bon, bah, voilà, les gars. On va s'arrêter ici, je pense. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, les petits potes. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et à me le dire en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et à bientôt les gars. Salut!